La louange appartient à Allah. Le Seigneur de l'univers, j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. J'ai témoin qu'un prophète paix et salut sur lui, et son messager et son serviteur. Mes frères et sœurs en islam, nous disons Alhamdulillah, gloire à Dieu, la louange est Allah. Vraiment très heureux aujourd'hui. Aujourd'hui fait partie un meilleur jour pour les musulmans. On doit être fier, être heureux, car nous avons géré dans la bonté, dans la charité, sans difficulté. Il y a d'autres qui ont commencé le jeûne, ils n'ont pas pu continuer, car Allah les a rappelés en venu. Dieu merci, toi tu as pu jeûner les 29 jours. Qu'est-ce que tu demandes? Tu demandes à Dieu pour qu'il exauce nos adorations pendant ces 29 jours. C'est notre souhait. Dieu, il est très heureux. Aujourd'hui, les cieux, la terre, les anges sont étonnés. Car ils étaient découragés. Pourquoi Allah nous a créés? Ils se disaient. Et ils obéissent Allah, subhanahu wa ta'ala. Tout ce que Allah demande, ils ont ordonné les anges. Pourquoi créer l'être humain encore? C'est pour venir se tuer, être tué ici. Allah dit, c'est moi qui crée toute personne, je crée ce que je veux. Et il nous a créé. Aujourd'hui, il va dire aux anges, regardez les êtres humains sur la terre. Rien partout sur la terre. Ils sont en train de me glorifier, me remercier. Regardez vous-même. C'est ce jour, Allah est en joyeux de nous. Et pour nous, on doit être comment? Envoyer la joie dans la famille, la joie dans la cour, la joie dans la ville, dans la joie où tu te trouves. Tu dois être heureux, fier d'être ta religion, fier d'être un musulman. N'aie pas honte. Pourquoi avoir honte de cette religion? C'est la meilleure religion du monde. L'islam. Si tu n'as pas embrassé cette religion, les autres religions, on n'en parle pas. Dieu ne regarde pas. C'est l'islam la meilleure religion. Wallahi subhanahu wa ta'ala. C'est la meilleure religion, discipline, respect. On ne regarde pas le comportement des autres musulmans. Il faut regarder le comportement de l'islam. Les éducations, la meilleure éducation. Ils nous adoptent. Pas seulement, voilà le comportement des musulmans. On parle de l'islam, on parle pas des musulmans. Il faut être fier d'être un musulman. Soulève ta main, applique ta religion. Et à un jour comme aujourd'hui, être fier, prouve à tes voisins, à tes amis, que nous sommes dans un grand jour. Jour de bonheur, jour de bonté, la charité, jour de partage. Toute personne doit être heureuse. Les pauvres, essaye de partager un peu le peu que tu as. L'islam nous apprend des bonnes éducations, mes frères et sœurs, à l'islam. Aujourd'hui, c'est un grand jour. La fête. Il faut célébrer comme il faut. Mais attention, ce n'est pas dans les maquis. Nous, les jeunes, quand on fête, on n'a pas besoin d'aller dans les boîtes de nuit. Franchement, c'est si on te demande à la mosquée, vous avez jeûné, que Allah te pardonne le péché précédent, pour que Allah me pardonne. Je suis revenu à la mosquée, Allah pardonne-moi. Ok, comme aujourd'hui c'est un grand jour, tes péchés sont tombés, maintenant c'est le mérite. Comment il faudrait faire? Aller reprendre le même péché? Non, tu dois revoir ton éducation. Sachant que la mort est proche. Chaque jour que Dieu fait, il y a des gens qui se répandent. Il y a des gens qui vont vers Allah subhanahu wa ta'ala. Mes frères et sœurs en islam, il est temps de regagner la foi. Il est temps pour se diriger vers le Tout-Puissant, car la mort est proche. Alhamdulillah. Ici, on réformule l'homme. Une bénédiction pour notre père qui est décédé, le Cheikh Aïma Bakafofana. Que la paix
d'Allah soit sur lui, dans son tombe. Dans son tombe. Et ainsi que les autres, nos pères qui sont décédés et nos mères, les fils, on reformule. Pour finir, nos malades qui sont dans les hôpitaux, on prie pour eux. Et nous aussi, partout dans le monde, comme vous le savez, on dit il y a une maladie actuellement qui nous entoure. C'est Allah seul qui peut nous guérir de cette maladie, qui peut nous sauver de cette maladie. Qu'Allah nous protège. Qu'Allah nous protège. Et qu'Allah bénisse cette religion et qui nous rend les musulmans sincères et pieux. Mes frères et sœurs, en islam, alhamdulillah, alhamdulillah, Dieu merci et Dieu merci. Après avoir pardonné, ne revenez plus en arrière. Essayons d'avancer. Essayons d'avancer. Quand tu ne sais pas, quand tu vas mourir. Quand tu ne sais pas, quand tu vas repartir chez Dieu. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de l'islam. Qu'il nous rend les musulmans sincères et pieux. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به مصاحب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلنا وارث منا واجعلنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيت ولا عصيرا إلا يسرت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ويسرت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا برحمتك يا أرحم الراحمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين سلام القول من رب العالمين سلام القول من رب العالمين سلام على نوح في العالمين سلام على إبراهيم سلام على إبراهيم سلام على موسى وهارون سلام على إلياس سلام عليكم سلام عليكم تبتوا فادخلوها خالدين سلام هي حتى مطلع الفجر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله بطمنا الله صاحب الله صاحب الله